te regarde pas, hein, je regarde le là. Hein. Tu regardes la caméra en fait. Oui. Ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus ce 24 juin à ce 49e webinaire Parlons RH. Alors, je vais lever la main pour dire que c'est moi qui parle. Voilà, je suis Thomas Chardin, le dirigeant de Parlons RH. C'est moi qui aurai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire qui a pour titre Continuité ou métamorphose, quel devenir pour le lien RH? Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir un expert du sujet, en la personne de Patrick Bouvard. Bonjour Patrick. Bonjour à toutes, à tous. Patrick est rédacteur en chef de RH Info, le média RH d'ADP, mais il va nous en parler dans quelques instants. Je précise que nous avons le masque parce que nous sommes encore en période de pandémie et que le protocole sanitaire nous impose, et nous respectons les règles, de l'avoir dans un milieu fermé, certes aéré, alors vous ne le voyez pas, mais on a bien aéré, on s'est lavé les mains avec du gel, mais on garde le masque et sachez juste qu'évidemment, on préférait bien sûr ne pas l'avoir pour que vous puissiez voir nos jolis sourires que vous aurez peut-être l'occasion de voir d'ici quelques instants également quand on pourra prendre un verre d'eau. Voilà, on utilise le masque pour espérer pouvoir l'enlever tous le plus tôt possible. Quelles sont les modalités du webinaire que nous vous proposons? D'une part, vous pourrez télécharger la présentation à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à le faire, elle est là pour vous. Vous pouvez commenter ce webinaire. N'hésitez pas là non plus à nous dire ce qui vous a moins plu, les axes d'amélioration, les sujets que vous voulez voir traiter. Mais n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez apprécié. On lit vraiment avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention tous les commentaires qui nous sont formulés. Vous pouvez également évaluer le webinaire par une petite note de 1 à 5. Et enfin, vous pouvez, vous devez utiliser la boîte de chat en haut à droite pour poser vos questions et mettre vos remarques auprès de Patrick. Il est là ce matin pour vous, pour pouvoir échanger sur cette thématique. Cette thématique justement que nous allons aborder en trois temps, comme à chaque fois dans les webinaires Parlons RH. D'abord, Patrick nous dira ce qu'il en retourne derrière ce titre « Continuité ou métamorphose, quel devenir pour le lien RH ?» On verra en quoi c'est important tant pour les professionnels RH que pour l'entreprise, que pourquoi pas la société elle-même de façon plus large. Et enfin, on verra comment mettre en œuvre les différents axes qu'on aurait pu faire germer durant cet échange. J'insiste sur la notion d'échange, hein, ce n'est pas un propos unidirectionnel. Mmh. Ça se veut pouvoir partager avec vous. Voilà ce qu'on vous propose. Le webinaire durera 45 minutes, il s'arrêtera donc à 11h45. Et avant de commencer par la première question, de quoi parle-t-on, Patrick? Comme je l'ai évoqué en introduction, est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens, et puis qu'est-ce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce beau média, qu'est-ce que RH Info? RH Info, dont je suis le rédacteur en chef depuis maintenant 20 ans, donc c'est toute une histoire, c'est le média RH d'ADP. Alors, nous avons une communauté qui s'est considérablement développée. On a à peu près 30 000 lecteurs. La communauté est très forte sur les réseaux, notamment notre groupe sur LinkedIn, hein, qui compte plus de 150 000 membres. Et c'est une communauté en même temps très active. Hein. Et nous fonctionnons avec un pôle de 14 experts qui assurent la crédibilité du site auprès des instances RH et des professionnels, mais également 60 contributeurs réguliers. Et quand je dis 60, c'est 60 par an. Hein, autrement dit, si jamais il vous prend l'idée de vouloir contribuer à RH Info, vous êtes évidemment les bienvenus parce que je cherche à renouveler de manière régulière les apports au service de la communauté RH. Voilà ce que je peux dire pour présenter RH Info. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous avez sur le site une fiche contact par laquelle vous pouvez entrer en contact avec moi, soit pour me suggérer un article ou pour me faire des réflexions ou des récriminations, pourquoi pas, ça peut arriver. En tout cas, n'hésitez pas, je les lirai et y répondrai avec grand plaisir. Alors moi, j'ai deux questions et sans passer tout de suite par la fiche contact, j'ai le plaisir de t'avoir là, ici, en présentiel avec nous ce matin. Donc, je vais te poser deux questions rapides. RH Info, qu'est-ce que ça a à voir avec ADP? Est-ce que vous êtes vraiment indépendant? Alors, non, nous ne sommes pas indépendants, et tant mieux pour RH Info,
Parce que si nous existons depuis 20 ans, c'est bien parce que ADP nous permet de vivre et de continuer cette aventure de la meilleure des manières. La meilleure des manières, c'est-à-dire avec une indépendance éditoriale qui, elle, est totale. Hein, voilà, depuis 20 ans, je suis le garant, je dirais, c'est un peu prétentieux mon propos, mais de la neutralité et de l'indépendance éditoriale des RH Info. Par contre, ADP, qui travaille sur la gestion du capital humain, a eu souci de développer un laboratoire RH qui lui permet de maintenir vivante la réflexion, les débats, les expertises en matière RH. Et c'est tout le rôle des publications, puisque nous publions un nouvel article par jour ouvrable. Hein, donc, ça représente quelques 245 articles par an. Mais donc, indépendance financière, non, puisque c'est notre modèle économique. Hein. Contrairement à d'autres, on ne recourt pas à de la publicité pour exister. Par contre, indépendance éditoriale complète, et ça, c'est la patte, hein, c'est la marque des RH Info. C'est très clair. Alors, puisque tu viens de l'évoquer, tu dis par rapport à d'autres, on ne recourt pas à la publicité. Alors, Parlons RH ne recourt pas non plus à la publicité. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux. En fait, Parlons RH et RH Info sont concurrents alors. Alors, ils sont concurrents sous le rapport où nous traitons des mêmes sujets, des mêmes thèmes. C'est bien la pratique RH qui nous intéresse et la communauté RH que nous visons. Par contre, je considère, moi, que nous sommes plus partenaires que concurrents. Parce que la manière d'aborder les sujets, la manière de les traiter, les sources que nous utilisons ne sont pas forcément les mêmes et sont très complémentaires. Et je suis moi-même un lecteur très intéressé de Parlons RH. Et réciproquement, tu le sais, voilà, mais ça me semblait important. Depuis fort longtemps. Ouais, exactement, mais ça me semblait important de l'évoquer. C'est pas parce qu'on est sur un environnement similaire, on va dire, qu'au contraire, on se complète, on a des propos un peu différents, des positionnements différents. Tout ça pour essayer de vous apporter aussi le plus d'informations et de points de vue différents. Alors, ben tout à fait. Commençons la première question, le premier temps fort, je dirais, de ce webinaire. De quoi parle-t-on quand on parle de continuité ou de métamorphose? Quel devenir pour le lien RH? Quels sont les grands constats que tu tires de cette sortie de crise? Alors, je ne sais pas, on est encore dedans, on a le masque. Hein, donc, quels sont tes constats? Alors, je sais bien qu'il y a en ce moment pléthore hein, d'articles, de propos et de webinaires sur le sujet et qui fait que peut-être certains lecteurs peuvent être aussi lassés de voir le énième webinaire sur la crise, les conséquences de la crise, que vont devenir les RH après la crise. Bon, alors ce que je voudrais, c'est aborder ça avec un angle et un angle d'attaque peut-être, j'espère, différent, c'est à vous d'en juger, mais je voudrais partir de plusieurs paradoxes comme constat. Déjà, entre chômage partiel, travail confiné, parce que pour moi, ça n'a pas été du télétravail. Hein. Le travail confiné, obligatoire, à la maison, dans des conditions plus ou moins valables, valides, avec des conditions de vie qui peuvent être très difficiles pour les uns ou les autres, ça n'est pas le télétravail à proprement parler, à mes yeux. Un paradoxe, c'est qu'en France, contrairement à ce que nous pouvions redouter, nous avons enregistré, selon la dernière enquête Workforce View d'ADP, 6% de perte d'emploi, si j'ose dire seulement. Bon. Parce qu'on pouvait s'attendre à beaucoup plus. En revanche, la même enquête nous signale que 60% des salariés ont changé de conditions de vie ou prévoient de le faire. 30% ont déjà changé, 30% prévoient de le faire. Donc ça, ce sont des choses qui sont paradoxales, parce qu'en même temps, il y a des gens qui n'ont pas forcément perdu leur emploi, mais qui ont déjà changé de condition de vie. Hein, une dernière enquête de la NDRH nous précisait que dans 30% des entreprises, il y existe des salariés qui ont déménagé et qui ont changé de ville, de lieu de résidence,
sans même prendre la peine de prévenir leur management. C'est extrêmement important, comme effectivement. Donc, c'est quelque chose qui a impacté très, très fortement. Deuxième élément, c'est, et ça, c'est quelque chose qui revient toujours dans les périodes de crise, c'est qu'une conscience accrue des réalités de fond, hein, des réalités des nécessités vitales, et parmi lesquelles les contraintes administratives, parce qu'on se rend compte que travailler, c'est être dans une relation contractuelle avec une entreprise. Cette relation contractuelle, elle est manifestée d'abord par la paix, avant même toutes les relations professionnelles que l'on peut développer. Mais ce sont des fondamentaux. Et là aussi, suite à cette crise, on se rend compte que, alors qu'avant, il y avait peu de personnes qui regardaient leur bulletin de paye, hein, où ils regardaient le net à toucher, après cette crise, près de la moitié des salariés déclarent vérifier leur bulletin de paye bien plus qu'avant la pandémie. Il y a donc une prise de conscience des choses qui sont fondamentales. Avant, peut-être qu'on considérait ça comme des réalités strictement administratives, mais en réalité, il n'en est rien parce que la crise nous a obligés à relier notre vie à ces réalités concrètes, pratiques, matérielles. Troisième dimension, c'est la généralisation du télétravail. Alors, aujourd'hui, manifestement, le télétravail a satisfait une grande partie des salariés, mais, si ils souhaitent continuer une part de télétravail, ils souhaitent néanmoins, à une grande majorité, à 86%, revenir sur site au moins 2 jours par semaine. Alors, quand on dit au moins 2 jours, ça peut être 3, mais en réalité, c'est également au plus 2 ou 3 jours par semaine. Et sur les derniers sondages qui sont sortis, que j'ai vus hier, dont j'ai oublié le nom, là, j'essaie de le retrouver, je l'ai oublié, effectivement, la majorité des entreprises s'apprête à envisager un mode de travail qu'on appelle hybride, même si c'est un peu un fourre-tout, on ne sait pas trop de quoi on parle. Bon. Mais c'est ce paradoxe-là, c'est qu'en même temps, beaucoup de gens avant la crise désiraient du télétravail, ils en ont fait une expérience faussée à cause du confinement, et aujourd'hui, tout l'enjeu est de trouver le bon équilibre et la juste proportion et la juste nature d'une nouvelle organisation du travail, d'où le titre que nous avons développé, parce que les réalités vécues ont accentué une fracture RH. Rendez-vous compte, 34% des entreprises françaises n'ont pas mis en place de télétravail. Alors bon, il faut dire qu'on est un vieux pays féodal et qu'on a toujours tendance à penser que si on met quelqu'un en télétravail, il va se lever à 3h de l'après-midi en pyjama pour travailler pendant une demi-heure. Mais la réalité, c'est plutôt que les gens en télétravail ont plus travaillé. Reste que tout le monde n'a pas travaillé dans les mêmes conditions. Il y en a qui ont été très bien lotis, il y en a qui ont connu des vraies galères, il y en a qui ont pu télétravailler, il y en a qui n'ont pas pu télétravailler. Et il y a plein de métiers dans lesquels le télétravail n'est pas possible. Et là aussi, les fractures se sont accentuées. Bref, le constat que l'on peut faire et qui est intéressant, hein, c'est que le lien social et contractuel qui relie les salariés à leur entreprise est aujourd'hui profondément réinterrogé. Alors, ce lien social et contractuel, je l'appelle un peu par abus de langage, le lien RH, mais c'est bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire ce qui profondément relie pour chacun de nous à notre entreprise. En fait, c'est vrai que la crise a fait émerger un certain nombre de paradoxes et réinterroge, comme je vous paraphrase tes propos, la nature du lien social, tant contractuel que plus psychologique. Oui, absolument. Alors, ça, ce sont les éléments de constat. Donc ça, c'est ce qui a fait émerger la crise. Elle a accentué, il y a une prise de conscience de cela. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Et la question qui se pose est de savoir, sur la base de cette prise de conscience,
Il y a plusieurs devenirs possibles. Toutes les entreprises, selon leur taille, leur secteur, leur mode de gouvernance et de management, ne vont pas être loties à la même enseigne. Par contre, l'accentuation portée aux personnes, ça, va probablement demeurer. Les évolutions technologiques et sociétales, elles ont commencé bien avant la crise. Par contre, la crise les a largement accélérées et a fait tomber un certain nombre de barrières. La problématique, on l'a évoqué, de la sécurité physique et administrative est apparue à tous de manière extrêmement importante. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en a été pour vous, mais moi, je sais que j'ai pris régulièrement des nouvelles de mes amis et de mes connaissances pour savoir s'ils réussissaient à s'en sortir, tout simplement. Donc, c'est des questions de nécessité qu'on avait un petit peu oubliées et que la crise nous a rappelées. La phrase « le comment ça va » prenait toute autre résonance. Oui, absolument. Et puis, chacun également s'est rendu compte qu'il pouvait prendre l'initiative, donner plus de pouvoir à ce qu'il était en tant qu'individu, en tant que personne. Et ça, c'est aussi quelque chose, hein, parce que ça nous a amené à travailler plus sur la confiance, sur l'autonomie, sur la responsabilité personnelle qu'on développait, tout comme d'ailleurs sur une responsabilité collective. Ce qui fait que, bon, vous voyez, j'ai essayé de vous positionner des petites bulles avec différentes solutions possibles pour ce lien RH. Il y a manifestement des entreprises qui vont s'arc-bouter dans une rigidité et en disant on veut que ce soit rigoureusement comme avant, et je leur promets bien du plaisir. Il y en a qui vont se dire « bon, on était déjà en train de changer un peu avant la crise, on va laisser le mouvement se continuer hein, ». Donc, c'est un peu la politique du chien crevé au fil de l'eau. Vous savez, si l'eau augmente, il se décolle, il va s'échouer un peu plus loin. Mais finalement, là-dedans, il n'y a pas de pilotage, de conscience et de stratégie de devenir. Il y en a qui ont pris conscience qu'il y avait une véritable évolution et qui s'interrogent sur la manière d'évoluer avec, ils suivent le train. Et il y en a enfin qui vont, j'allais dire jusqu'au bout de la logique, de manière peut-être parfois un petit peu violente des fois, et qui vont jusqu'à une logique de rupture. C'est-à-dire qu'ils disent maintenant, avant on était en tout présentiel, maintenant on est en tout télétravail, et c'est tout. L'enjeu est de savoir s'il y a une métamorphose possible, alors c'est-à-dire autrement dit un changement de forme, hein, une autre manière de concevoir les choses. Mais en réalité, j'attire votre attention sur le fait que tous ces points, s'ils sont pris isolément, ont leurs inconvénients, mais pris dans leur logique, ils sont nécessaires et complémentaires les uns aux autres. Il faut une certaine rigidité, parce que ça tient à la nature de ce qu'est une entreprise et de ce qu'est le travail et de ce qu'est un collaborateur. Alors, si je prends le parallèle avec une métamorphose, hein, un tétard qui devient une grenouille ou un cocon qui devient un papillon, le tétard ne deviendra jamais autre chose qu'une grenouille, parce qu'il a une nature. Donc, il y a bien une nature du travail et des salariés. Il y a un certain mouvement continu, et sous ce rapport-là, on est bien dans cette continuité, parce qu'on évolue dans un monde qui évolue. Il s'agit de penser cette évolution et de voir dans quelle mesure il y a éventuellement des points sur lesquels on peut carrément aller jusqu'à la rupture, hein, c'est-à-dire que dans l'évolution, pour reprendre mon image un petit peu naturaliste, dans l'évolution du tétard, il y a bien une nature, il y a un mouvement continu, il évolue bien. Hein, il lui pousse des pattes petit à petit. Ben, j'espère que vous avez déjà observé la chance d'observer des tétards dans votre vie, c'est extraordinaire. Et à un moment donné, il y a bien une rupture, c'est-à-dire que il passe de la réalité de la forme de tétard à la forme de grenouille. C'est ça la métamorphose, c'est l'ensemble de tout ce processus. Et je pense que les entreprises sont amenées à ce type de transformation. Alors évidemment, si on s'arrête entre deux et que je reste avec un tétard avec deux pattes et que j'ai jamais de grenouille, à un moment donné, ça va poser problème. Voilà. Donc là-dessus,
On a bien compris que la confiance, l'autonomie et la responsabilité étaient le cœur de ce devenir. C'est pas dit que dans toutes les entreprises, on arrive jusqu'à ça, jusqu'à ce moment-là, parce que ça demande de l'effort, ça demande de la vision, ça demande d'avoir une vraie stratégie, ça demande parfois de redéfinir un vrai projet d'entreprise. Et c'est malheureusement, c'est pas monnaie courante. Hein, et ça exige de la part des RH une transformation de leurs fonctions, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, qui est assez profonde. Alors, en fait, la fonction RH a toujours été un peu gestionnaire d'équilibre. Et là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on doit rentrer dans une forme, enfin, on est dans une forme de cinématique équilibrée entre toutes les quatre bulles proposées. Dans la meilleure des hypothèses, oui. Enfin, ça serait ça, une forme d'idéal, éviter les effets de balancier entre une rigidité extrême, et tu as évoqué certaines entreprises qui ne souhaitaient surtout ne rien changer, ou la rupture totale qui ferait en sorte que le tétard devienne papillon, c'est pas sûr que ça marche. Oui. Bon, j'ai bien résumé le point. Oui, tu as bien résumé le point. Alors, après ça, là encore, ce que je voudrais, c'est, je tiens un propos qui est très général. Il faudrait ici, pour être précis, mais on n'a pas forcément le temps, entrer dans les différentes situations et réalités d'entreprise. Dans toutes les entreprises, tous ces mouvements-là ne sont pas nécessairement opportuns. Et il y a peut-être des entreprises où il est légitime de rester dans une stricte rigidité. Il y en a d'autres où il est légitime de pouvoir se dire, vu notre contexte, nos moyens, notre capital humain, il faut absolument que j'aille jusqu'à la bonne rupture, c'est-à-dire à la bonne transformation qui va me permettre vraiment de porter aux personnes de mon entreprise, aux femmes et aux hommes de mon entreprise, toute l'attention qu'ils méritent. Parce que alors, pour le coup, je suis sûr que ça, l'avenir ne s'inscrit que là-dedans. Alors justement, on va prendre juste quelques questions. Il y a deux remarques notamment. Merci Christelle de votre question et de votre commentaire. Je te la pose tout de suite, Patrick. Et je reste sur cette slide-là pour avoir justement les différentes bulles sous les yeux. La rupture est-elle souhaitable ? La dialectique « retrouver ses repères, prendre en compte les changements profonds » n'est pas si simple. Alors, est-ce que la rupture est-elle souhaitable ? Alors, c'est, je dirais oui et non. Tout dépend comment elle est posée, pensée. Et la réponse à votre question est dans votre question. Hein, c'est-à-dire que c'est la manière dont je vais prendre conscience, prendre en compte les réalités, trouver les repères matériels et symboliques qu'il faut, prendre en compte les changements. Tout ceci est une maturation hein, qui peut prendre du temps. C'est pas la rupture pour la rupture maintenant. C'est l'idée, justement, et c'est ça la notion de métamorphose, c'est l'idée de bien repartir des choses, des fondamentaux, pour voir qu'est-ce qui évolue, de pouvoir penser cette évolution de manière aussi intelligente que possible, et de voir, de mettre en perspective les points sur lesquels il peut ou non y avoir rupture. Donc, est-ce que la rupture est souhaitable ? Dans l'absolu, je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, ce que je sais, c'est que si on ne va pas jusqu'au bout de cette logique et qu'on n'essaye pas d'avoir une logique de rupture sur les choses qui le méritent et sur les choses qui sont nécessaires à rompre, on va pas au bout de la métamorphose. Dans ce cas-là, en effet, je crains que ces entreprises accusent un certain retard par la suite. En fait, c'est peut-être la dernière étape du processus d'adaptation. En tout cas, c'est un des états d'un processus d'adaptation. Oui, tout à fait. Au contexte dans lequel elle est. Tout à fait. Une question avant de poursuivre le propos de Fabienne, ou une question, une remarque. Ça ressemble au processus de deuil, en fait, rigidité, continuité, évolution, rupture. Alors, oui, en partie, dans la métamorphose, effectivement, il y a disparition du tétard pour l'apparition de la grenouille. En effet, dans la métamorphose, il y a disparition de la... Hein, je vous reprends l'exemple du papillon, ou même si l'on en étant un petit peu, c'est la graine qui devient une plante. En effet, il y a bien une certaine mort à certaines choses pour que d'autres vivent et apparaissent. Mais ce qui me semble fondamental là-dedans, c'est que c'est toujours la logique de vie qui est gagnante et c'est toujours elle qui doit éclairer
nos réflexions et nos actions. Et ça, je pense que la fonction RH, pendant cette année, a eu cette logique de vie parfaitement à cœur. Et qu'il y a bien des gens qui ont repris conscience de l'importance de la fonction RH et de son rôle dans nos entreprises. Parce qu'ils nous ont non seulement permis de survivre, de vivre, mais de pouvoir continuer à avoir les informations, les données, à prendre en compte tout ce qui nous relie à cette entreprise, et même dans les collectifs et dans les moyens de communication à distance, il y a eu un rôle absolument fondamental de la fonction RH. Alors justement, on va passer à la deuxième étape, mais n'hésitez pas encore une fois, comme Christelle et Fabienne, à poser vos questions et mettre vos commentaires. Encore une fois, Patrick est là pour pouvoir échanger avec vous. On a vu ce cadre, ce contexte de paradoxe, d'ambiguïté, cette prise de conscience, le fait qu'on soit dans une forme de cinématique équilibrée, de dynamique, d'essayer de retrouver dans ces différents états la métamorphose et le changement de forme du lien social. En quoi est-ce important justement pour les professionnels RH? Quelles sont les éventuelles « certitudes » entre guillemets? Oui, parce qu'on a bien compris que, enfin, bien malin qui aujourd'hui pourrait prédire demain avec certitude, parce que il y a un certain nombre de fragilités. Ce matin encore, en venant ici, j'entendais les évolutions sur les nouvelles souches de Covid. On n'est pas encore sorti d'affaire. Il y a des incertitudes, il y a des fragilités. Néanmoins, De tout ce contexte, moi je pense qu'il y a quelques certitudes qui ressortent. Ma première certitude, et vous me direz si vous la partagez, c'est que de la nature et de la forme du lien RH dépendra demain l'engagement des salariés. Alors l'engagement, c'est là aussi c'est un peu un serpent de mer. On en parlait énormément avant la crise. Il y en a qui disaient qu'il y avait une crise de l'engagement. D'autres qui disaient, mais pas du tout, c'est une crise du management. Une chose est certaine, c'est que dans les enquêtes qu'on pouvait voir, il y a fort peu de gens qui auraient recommandé leur entreprise à leurs enfants. Et ça, ça me semble être un signal assez significatif sur le niveau d'engagement, toute chose étant égale par ailleurs. Dans une étude que une très bonne agence a fait paraître, je ne la mentionnerai pas, vous l'observerez, vous pouvez l'observer régulièrement, hein, c'est que 43% des entreprises pratiquent l'expérience collaborateur. Donc il y a, on observe une croissance de cette problématique, de cette prise de conscience, et ça me semble extrêmement intéressant. Deuxièmement, c'est que là aussi, de la nature et de la forme du lien RH dépendra demain la marque employeur. Et ça, c'est un point qui est de plus en plus important pour les entreprises. Alors là encore, je vais repartir sur les fondamentaux. Mais ce qui a été mis en exergue pendant la crise, l'importance de ces fondamentaux, des moyens de vivre, du lien qu'on a à notre entreprise, d'être payé par notre entreprise, parce que c'est ça qui nous permet fondamentalement de vivre et d'avoir du sens de notre existence. Eh bien, là encore, dans un livre dont je vous reparlerai, un livre blanc, en réalité deux livres blancs, un à destination des RH, un à destination des directeurs des affaires financières, ADP a produit une étude passionnante qui montre que 78% des employeurs pensent que les entreprises vont devoir personnaliser les options de paiement. D'accord? Pourquoi? Pour rester compétitives dans la guerre des talents. Donc, vous voyez, l'idée n'est pas pour être en règle avec l'État, l'idée n'est pas pour être conforme à la réglementation, l'idée n'est pas pour être carré dans la relation avec nos salariés. C'est véritablement dans une perspective de croissance, de compétition et de guerre des talents que ce geste de la paye avec toute sa portée symbolique qui a été mis en exergue pendant la crise, ceci mérite véritablement, comme le dit le titre du livre, de porter un nouveau regard sur la paye.
C'est souvent, on a pensé que c'était la partie administrative, la cinquième roue du carrosse qui plombait les RH. Non. C'est au centre de ce qui nous relie à notre entreprise. Donc, l'expérience salariée, sous tous ses aspects, là, je viens d'évoquer l'aspect fondamental parce qu'il a été le plus marquant pendant la crise pour chacun de nous. Mais sur le plan du management, sur le plan de la gouvernance, sur le plan des relations avec nos collègues, sur le plan de la cohésion d'équipe, sur le plan des relations sociales, l'expérience salariée, plus que jamais, sera au cœur du lien RH. Engagement des salariés, marque employeur et expérience salariée, au cœur du lien RH. Alors, je sais, avant de prendre d'autres questions et d'autres commentaires, notamment celui de Charlie à l'instant, tu proposes une pyramide justement de l'expérience salariée. Est-ce que tu peux nous décrire cette proposition ? Sans vouloir faire une caricature de la pyramide de Maslow. Alors, pyramide de Maslow dont je sais qu'elle est remise en cause, critiquée, etc. Reste qu'elle comprend quand même quelque chose de vrai dans l'ordre des priorités et que j'ai souhaité reprendre ça pour l'appliquer, cette idée pour l'appliquer à l'expérience salariée. Et là encore, je repars de ce que nous venons de traverser. Pour la plupart d'entre nous, que nous télétravaillons ou pas, la première question a été « Est-ce que je vais garder les moyens de vivre ?» Voilà. Hein, les moyens d'exister, tout simplement. Et là, nous avons bien compris que le socle qui nous relie à notre entreprise, donc la nature du contrat, qu'il soit juridique ou professionnel, les dotations que nous avons, vous savez que dans les recrutements maintenant, la partie dotation, quel est le matériel dont je vais disposer, et Dieu sait que la crise a mis ça en exergue pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur portable fourni par l'entreprise, par exemple, ou de téléphone. Ça devient dans les recrutements, ça devient un des points importants que les candidats, alors là on est dans l'expérience candidat, que les candidats soulignent et auxquels ils font extrêmement attention. Et la paye représente là encore l'aspect vraiment matériel et symbolique de la relation à l'entreprise. C'est à ce point vrai, vous le savez, que dans la jurisprudence, à partir du moment où je peux fournir quelques bulletins de paye, les prud'hommes considèrent que je suis sous contrat avec l'entreprise. Parce que c'est un geste qui qualifie et qui caractérise la nature et la structure d'une relation. Alors, une fois... Il reste 3-4 minutes, je me permets de t'interrompre 2 secondes pour être... Oui, d'accord, très bien. Il nous reste 3-4 minutes sur ce... Très bien, alors le reste va pouvoir aller plus vite, c'est que sur ce socle, tout le reste s'édifie. L'organisation du travail et sa flexibilité, donc là, selon la culture des entreprises, mais comment va-t-on développer des collectifs de travail ? J'ai entendu dire que la cohésion nécessitait l'unité de temps et de lieu. Je pense pour ma part que c'est une bêtise assez grave. Hein, outre que c'est un réflexe très archaïque, la notion de cohésion d'équipe ne nécessite pas nécessairement l'unité de temps et de lieu. Par contre, elle nécessite d'être pensée, organisée et managée, à distance et sur site. Alors, si on se voit jamais, ça pose un problème. Sauf que moi, j'ai vu bien des entreprises où il n'y avait aucun télétravail, tout le monde sur site, et où la cohésion était à peu près lamentable. De même que j'ai vu des équipes, et la mienne en particulier, fonctionner en télétravail à 100% pendant la crise, avec une cohésion d'équipe formidable. Bon. Donc, la notion de cohésion, elle va beaucoup plus loin, mais on est dans un renouvellement des fondamentaux du management, de la gestion des temps et des lieux. Ça va devenir un des points d'application du management les plus cruciaux. Là-dessus se greffent l'évolution et le développement, la gestion des talents, des potentiels, la carrière, qu'est-ce qu'on me propose, comment est-ce que mon entreprise me permet de me développer, est-ce qu'elle me permet une autonomie là aussi, de quelle manière elle m'aide, et c'est ça qui me permet d'être. Hein. Et c'est là, c'est les fondamentaux de la reconnaissance. Voilà, je suis récompensé pour ce que j'ai fait, je suis reconnu pour ce que je suis.
Et à ce moment-là, oui, on peut parler d'épanouissement personnel. Parce que c'est ça qui va me donner la fierté de pouvoir servir mon entreprise. Et je ne sais pas s'il y a un autre signe plus fort de l'engagement que la fierté de servir. Donc voilà, vous voyez, tout ce lien RH, tout ceci constitue le lien RH. Mais encore une fois, on repart bien des fondamentaux pour aller vers l'engagement. Mais si vous voulez travailler sur l'engagement sans vous assurer d'abord des fondamentaux et notamment du socle, vous avez des coups d'épée dans l'eau. La maison, elle a peu de chances de tenir sans les fondations. Sans les fondations et sans les murs. Justement, il y a Fabienne qui te pose la question suivante. Charlie, je n'oublie pas votre question, mais comme elle traite de l'engagement, ne devrait-on pas ajouter une flèche descendante, je suppose sur la droite de la pyramide de Bouvard, une flèche descendante qui indique l'évaluation et donc la remise en cause, car l'engagement n'est jamais continu. Oui, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée, c'est-à-dire que de mon interrogation sur l'engagement, je vais pouvoir interroger la reconnaissance dont je bénéficie. Par conséquent, je vais pouvoir interroger les possibilités d'évolution et de développement qui sont les miennes, remettre en cause l'organisation du travail et du management, et in fine, savoir si en effet, eh bien, je me trouve bien ici dans cette entreprise, si ça vaut la peine de continuer ou pas, peut-être. Voilà Fabienne. Alors justement, Charlie te pose aussi une question. Quel est votre pronostic, pardon. Quelle est votre opinion, votre pronostic sur le monde d'après? Croyez-vous vraiment à plus de confiance, d'autonomie, de responsabilité? Alors, j'y crois vraiment pour une raison très simple, c'est que c'est ce que je vis personnellement et c'est ce que j'ai observé autour de moi dans plusieurs cas. Donc, je sais que ça existe. Par contre, si la question est de savoir si ça va se généraliser, la réponse est non. Hein, c'est bien l'interrogation que j'essayais d'émettre tout à l'heure. C'est-à-dire que selon les solutions que les entreprises vont adopter, selon leur niveau de conscience et de remise en cause, selon la manière dont les managers vont comprendre que leur fonction évolue, ils vont vous faire confiance ou non, vous laisser de l'autonomie ou non, et vous accorder de la responsabilité ou non. Voilà. Et ça, et c'est vrai, encore une fois, qu'on soit sur site ou qu'on soit à distance. Ce sont des choses qui sont assez importantes, assez marquantes. Mais non, c'est pas un automatisme, confiance, autonomie, responsabilité. Mais c'est quand même une tendance de fond auquel la plupart des entreprises devraient souscrire, pas uniquement par conviction, tout simplement par pragmatisme business, c'est-à-dire que si le système veut perdurer, assurer sa pérennité, il va falloir qu'elle change de braquet sur ce sujet-là. C'est une évidence. Là, je partage pleinement, Thomas. Ouais. J'aime bien quand tu... Alors, on a vu quels étaient les bénéfices ou les différents... on a vu la pyramide de Patrick, qui me semble particulièrement intéressant. Quelles sont les grandes lignes de force pour mettre en opération, si je puis dire, passer du discours à l'acte? Alors, j'ai identifié trois grandes lignes de force. Je suis désolé, je vais te... D'accord, bon, je vais essayer d'être concis. Je l'ai dit, répété, première ligne de force, c'est recomprendre l'importance du socle et de la relation contractuelle. Donc, un vrai projet d'entreprise, une véritable considération du capital humain et des personnes et des fondamentaux sûrs, assurés de manière stable, pérenne. Voilà. Faut payer les gens en temps et en heure, c'est le moindre des choses. Deuxièmement, restaurer les fondamentaux du management. Alors là, on repart effectivement sur confiance, autonomie, responsabilité. Ce qui est frappant, c'est que pendant la crise, les managers ont été obligés de faire un peu plus confiance, d'accorder un peu plus d'autonomie, plus de responsabilité. Finalement, je me demande si ça les a pas obligés à manager véritablement, hein, plutôt que de superviser, de fliquer et de faire les choses à la place de l'autre. Bon. Alors, il y a une question qui évoque, est-ce qu'on va vers l'entreprise libérée? La réponse est non.
on va pas vers l'entreprise libérée. L'idée n'est pas de laisser chacun à sa pleine indépendance. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Et je ne connais pas d'autonomie sans un management bien construit. Voilà. C'est la qualité du management qui fait la qualité de l'autonomie. Si vous pensez qu'en supprimant le management, vous générez de l'autonomie, vous avez tort. Vous ne générez que des réflexes de structure tribale. Et donc, c'est la loi du plus fort qui va se redévelopper et régner. Et rassurez-vous, ça se passe relativement vite. Enfin, rassurez-vous, c'est pas rassurant, justement. Et enfin, je pense qu'on l'a évoqué, la fonction RH doit absolument prendre acte de son importance, de son nouveau rôle, de ce qu'elle a mis en exergue pendant cette année et véritablement porter un nouveau regard sur la fonction RH. Alors, d'ailleurs, si je termine sur ce nouveau regard, je vous fais remarquer que les dernières publications qui ont retenu fortement mon attention pendant ces derniers temps, alors, je l'ai évoqué dans un de mes articles sur RH Info, il y a la 6e édition de l'étude Workforce View, hein, People at Work 2021, qui permet de faire un état de la perception des salariés, c'est très intéressant. Oui, parce qu'en plus, c'est barométrique, hein, c'est-à-dire que c'est chaque année. Hein. Oui, c'est exactement, c'est la 6e édition, voilà. Ce qui permet des comparaisons. Deuxièmement, un livre qui a été coordonné par Patrick Storès, mais sous l'égide d'RH Info, qui a regroupé des duos ou des trios de penseurs et praticiens sur toutes les problématiques de l'empowerment et du développement, justement, de la capacité individuelle, de la force qu'il y a pour un individu à se développer en servant le bien commun. Il y a également un expert d'RH Info qui est Gilles Verrier, le directeur d'identité RH, qui a sorti un bouquin très intéressant où il essaie de mettre toutes ces problématiques en perspective, hein, RH 2030. Je vous le recommande parce que ça permet de se poser beaucoup des questions de fond. Il y a alors là aussi, Thomas, je suis désolé de te faire rougir, mais un livre que Thomas Chardin vient de sortir sur le rôle des RH. Et alors, l'intérêt, c'est que c'est un livre qui, en peu de pages, va au cœur de l'interrogation essentielle sur la transformation RH. Donc, ça aussi, mais on est bien dans le nouveau regard. Et enfin, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais ce double livre blanc, ces deux livres blancs portés par ADP sur porter un nouveau regard sur la paye, parce que, et là encore, c'est pas pour par flagornerie pour parler de la paye chez ADP, parce qu'il y a RH Info et le média d'ADP, c'est pas pour cette raison-là. C'est parce que dans ces livres-là, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle complémentarité, notamment entre les fonctions, entre la fonction paye, fonction RH, la fonction financière, le management. Donc, c'est quelque chose qui, véritablement, est un outil de renouvellement que je vous recommande. Voilà, autrement dit, vraiment, tous ces éléments-là peuvent illustrer, vous accompagner dans votre réflexion sur la manière de porter un nouveau regard. On voit qu'il y a beaucoup de matière. Merci Patrick, je suis désolé, on est pris par le temps, mais j'ai encore deux questions à ton endroit. Merci déjà beaucoup pour cette présentation. Merci à vous pour vos échanges. Patrick, deux questions. Quel est ton coup de cœur et ton coup de com? On termine toujours les webinaires Parlons RH par ces deux questions. Alors, le coup de com, je viens de le faire sur le livre de ADP. Porter un regard sur la paye. Ça, c'est vraiment mon coup de com central parce que j'ai été tellement frappé par la nécessité de revenir aux fondamentaux pendant la crise, par la galère qu'ont vécu des gens qui aussi m'étaient proches de pouvoir vivre, gagner leur vie, toucher leur salaire, que je me suis penché là-dessus avec, je l'avoue, au point de départ, un petit peu de fraîcheur parce que c'est pas vraiment ni mon métier ni mes préférences. Et néanmoins, j'ai trouvé là des vraies réponses et une approche originale. Donc, je fais un vrai coup de com pour se porter un regard sur la paye. Et mon coup de cœur… On peut télécharger ça sur le site d'ADP, je suppose. Oui, bien entendu. Et
Mon coup de cœur, et ben mon coup de cœur, écoutez, il est pour l'ensemble des contributeurs d'RH Info. Voilà, je voudrais remercier mes experts et mes contributeurs parce que ce sont eux qui font vivre RH Info, ce sont eux qui nourrissent la communauté. Et j'ai vis-à-vis d'eux une grande gratitude parce qu'ils sont formidables. Voilà, ils acceptent l'ensemble des caprices qui sont les miens en termes de forme, de quantité, de sujet, etc. Donc, je les trouve merci, un grand merci. Et je termine en invitant encore une fois chacun de ceux qui le désirent à contribuer sur RH Info parce que vous avez sûrement une expérience, une innovation, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de dire, de partager avec votre communauté. Eh bien, il y a là un lieu qui vous est ouvert et je vous y invite. Merci pour deux raisons, Patrick. D'une part, pour ton intervention ce matin, je sais que tu t'es levé très tôt pour venir nous rejoindre ici, après 3h30 de voiture, quelque chose comme ça. Oui. Merci infiniment pour ce propos-là et merci aussi de faire vivre, comme tu viens de l'évoquer, au travers de ce contenu, au travers de ton propos, au travers des RH Info, de faire vivre cet écosystème RH qui nous tient tant à cœur. Tes remerciements auprès des experts et des contributeurs de RH Info, je pense qu'ils te doivent bien ça, j'en fais partie, je sais quel remerciement inverse, quelle est la réciprocité qu'on peut t'accorder sur ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne juste deux petites infos très rapides. Je vous donne rendez-vous le 9 juillet pour le prochain webinaire qui traitera de comment rendre vos collaborateurs acteurs de leur bien-être. Vous voulez qu'on est dans une forme de continuité de propos. J'aurai le plaisir d'échanger avec Léopold Denis, qui est cofondateur de Moodwork. Donc, n'oubliez pas, 9 juillet à 11h. Mais surtout, je vous donne rendez-vous la veille, le 8 juillet à 18h, sur un événement qui a lieu au pied du Pont Neuf, qui est réservé aux décideurs RH et aux DRH, qui s'appelle RH en scène, et vous trouverez sur Parlons RH toutes les informations pour vous y inscrire. Voilà, on attend. C'est pas de pub, il n'y a pas de kakémono, il n'y a pas de plaquette, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de conférence, il y a juste des coupettes de champagne et des petits fours pour pouvoir parler RH et d'autres choses ensemble. Merci encore une fois à Patrick. Merci Thomas et merci à vous tous. Merci à tous et je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.